Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser cette villa moderne sur Minecraft. Comme vous pouvez le voir, une très grande maison du coup moderne sur Piloti, carrément, avec voilà tout un tas d'étages qui ne se recoupent pas les uns sur les autres. Vous voyez, les étages du dessus sont plus grands que ceux du dessous, c'est sur Piloti, enfin voilà, elle a vraiment une structure très irrégulière et c'est très stylé moi je trouve. Hop, je vais vous faire le tour un peu de la maison. Hop, avec des grands murs comme ça qui ressortent complètement de la structure. Avec une piscine tout en zigzag comme ça. Ma foi, je la trouve assez sympa comme maison. Elle est assez grande, hein, elle fait quasiment 100 blocs de large. Et donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Hop, lors des derniers tutoriels, j'avais réalisé aussi ces maisons-là. Hein, par exemple, si jamais ça vous intéresse, hop, cette maison ici. Voilà, dans un style moderne, complètement différent, là aussi, même si c'est du moderne. Et voilà, une maison comme ça aussi, une maison en bois. Bref, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir toutes ces constructions, tous ces tutoriels. Allez, je vais vous donner l'ensemble des blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison-là. Hop, youp. Alors, la maison elle-même repose donc sur des pilotis, comme je le disais, mais aussi sur une plateforme en andésite poli, ici, vous voyez. Et donc, c'est celle-là que l'on va faire en premier lieu. Hop, on va la faire comme ça, hein. Donc ça va être un pavé, tout simplement, en andésite, un rectangle sur le sol que l'on va faire de, hop, jusque-là, de 26 blocs de longueur sur, youp, sur 15 blocs de large, donc 26 sur ce côté-là, 15 comme ça, et re-26, re-15. Une fois que vous avez ce rectangle de 26 par 15, hop, on va le monter à 3 blocs de hauteur comme ça, d'accord? Hop, hop, voilà, une fois qu'on a monté ça à 3 blocs de hauteur, on va recouvrir toute la surface de blocs d'andésite poli. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, j'en ai profité aussi pour mettre en place l'empreinte, l'empreinte du premier étage. Hein, vous voyez donc vraiment, hop, la partie tout en bas ici, vous voyez, qui sera le plancher du premier étage. Et on va le faire en bloc ici de quartz lisse, ainsi que en bloc de diorite. En fait, les blocs de diorite ici que vous voyez correspondent aux grands murs que vous avez là-bas, hein, vous voyez, les grands murs qui traversent toute la maison comme ça. Hop, ici aussi, hein, qui traverse comme ça, celui-là aussi. Et c'est d'ailleurs ce que l'on va commencer par faire. Hop, si je me souviens bien, ils font 26 blocs de hauteur, mais je vais vérifier, paf. Hop, paf, 23, ah oui, j'ai bien fait de vérifier. 23 blocs de hauteur ici pour les murs d'andésite, alors, de diorite. On va partir du coup de notre coin ici en bas à gauche de notre pavé. Ici on va compter 1, 2 et 3 blocs, on va mettre ce bloc là de diorite en place. Hop, on va faire un bloc par devant et à partir de là jusque là on en a 6. D'accord, et puis on redouble ici en épaisseur de ce côté là en remettant une ligne de 8 blocs de diorite. Ok. Une fois qu'on a ça, on va les prolonger jusqu'au sol et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 blocs de hauteur pour les murs. D'accord? Youp. Et puis ben, on monte tout le reste, hein, vous voyez, à 23 blocs. Hop. Ok, alors une fois qu'on a notre mur comme ça, on va mettre le reste ici de l'étage, hein, parce que, parce qu'il faut. Allez, on prend nos blocs de quartz lisse. On vient à l'arrière ici de notre mur en diorite, hein, on va en poser un ici, et à partir de là jusqu'à là, on en a 9. De là jusqu'à là, on en a 15. De là jusque toute la grande ligne ici jusque là, on en a 28.
Puis on va sur notre deuxième mur en diorite. On en met deux ici comme ça, vous voyez. Et vers l'avant de la maison, on en met 5 comme ça. Hein. Donc de là à là, il y en a 5. On double, d'accord. Et à partir de là, vers l'arrière de la maison jusque là, on en a 6. Donc au total, de là jusque là, il y en a 12. Et on double. Ok. Ok, donc on reprend notre coin ici de diorite. On compte 1 et 2 blocs vers l'avant de la maison. Puis on remet un bloc de quartz ici comme ça et on fait une ligne jusque là de 12 blocs. On revient hop comme ça et on a une ligne de 10 blocs. De là à là, il y en a 4. De là à là, il y en a 10. De là à là, 22. Hop. Et hop, ici 19. De là à là, il y en a 10. Hop. Et hop, là, on en a 10 encore et vous devriez rejoindre ici votre mur de diorite. Ok. Le mur de diorite ici, on va faire exactement la même chose que pour l'autre mur. On va le monter à 23 blocs de hauteur. Allez, hop. Voilà. Ok, donc on a cette partie-là de la maison. Maintenant, on va faire l'autre partie ici. Donc... hop, là on est sur l'avant de la maison. On vient prendre notre pavé en haut à droite, ici le coin à ce niveau-là, d'accord. On va compter 1, 2, 3 et 4 blocs ici sur le côté pour avoir ce bloc ici. A partir de là, vers l'arrière de la maison, enfin, de ce bloc-là, vers l'arrière de la maison, jusqu'ici on a 12 blocs. De là à là, 12 également. Hop, à ici on en a 7. Puis après, là, on met deux blocs de diorite. Hop, on en met 3 sur le côté, sur la droite, ici, comme ça. Hop, puis de là à là, on en a 6. Ce qui fait qu'entre là et là, vous en avez 10 au total. D'accord, qu'on double. Hop, ici, sur le coin, on met un bloc de quartz sur le côté. Et on met, hop, hop, ici, 4 blocs de quartz. Entre ce bloc-là et ce bloc ici, on en a 11. Puis entre là... et là, il y en a 7. Entre là et là, il y en a 26. Hop. Ah, hop. On en a 12. De là à là, on en a 45. Sachant qu'il y a déjà une partie qui a été faite. Hein, entre ici et là, ça a déjà été fait. Donc, il vous resterait normalement toute cette partie-là. Et au total, vous en avez 45 ici. Sur cette partie-là, ici, ce sera un mur en diorite qui sera un petit peu plus petit que les autres, vous voyez, donc ce sera ce mur ici. On va monter ce mur à, hop, à 12 blocs de hauteur. Youp! Allez, on fait ça rapidement. Hop! Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on va combler tout le reste des... de l'étage, hein, vous voyez, donc toutes ces zones-là hein, et toute cette zone-là, on va la combler en blocs de quartz. Yop, la remplir. Voilà, hop, ce à quoi ça ressemble. Donc, j'en ai profité pour mettre en place le deuxième étage, d'accord. Donc, c'est un étage assez particulier puisqu'il est strictement plus grand que l'étage du dessous. Il n'y a aucun point qui est colle par rapport à en dessous, vous voyez, c'est toujours plus grand au niveau des coins. Du coup... va falloir être attentif pour pouvoir le réaliser. Je vous propose d'aller sur cette partie de la maison et d'aller dans le coin, hop, à ce niveau-là. Hein, vous voyez donc le coin ici à côté du mur en diorite. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6 blocs au-dessus de la plateforme précédente pour mettre le deuxième étage. Donc voilà, 6 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, ouais c'est ça, 6 blocs, et on a donc notre bloc de quartz à ce niveau-là. Ok, on va compter tout à partir d'ici. On va sur le côté, donc sur la droite, et à partir de là, jusque là, on a une ligne de 12 blocs. De là à là, on en a 5. Hop, jusqu'à ici, 28. Puis de là à là, c'est 18. Entre le coin ici et le coin là, c'est 30.
Puis de là à là, c'est 17 et vous êtes sur le côté du mur en diorite normalement. De l'autre côté du mur en diorite, on reprend ici, donc sur la même hauteur, hein, sur ce côté-là. Et on fait une ligne de 2 ici, comme ça. Entre là et là, il y a 14 blocs. Puis entre là et là, on en a 16. Entre là et là, on en a 20. Entre là et là, on en a 24. Puis entre le coin ici et l'autre côté, à ce niveau-là, on en a 25. Entre là jusque là, on en a 23. On repart vers l'arrière jusque là de 6 blocs. Entre ici... Ah, il est long celui-là. Et là, on en a 38. Puis entre là... Là, on en a 8. Normalement, vous êtes juste à côté du mur en diorite. Et entre là... à là, vous en avez 15. Et normalement, ces deux-là, vous les aviez déjà. Ok, donc normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Et il va falloir entièrement remplir la surface avec des blocs de quartz. Et hop. Alors, voilà qui est fait. J'ai posé le troisième étage directement. Comme ça, on va pouvoir le faire aussi. Il est plus petit que celui d'en dessous, donc ça va aller plus vite. Je vous invite à prendre ce coin ici, vous voyez, et on va compter. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5 blocs au-dessus de la partie en dessous. Hop. Et à partir de là, je vais vous donner les dimensions pour le troisième étage. Hop, entre là et là, on a 16 blocs. Entre ici et là, on en a 14, et normalement vous êtes juste à côté de la partie en pierre. Entre là et là, on a 4 blocs, puis entre ici et ici, on en a 10. De là à là, on en a 25, ici, hein. Puis de là à là, on en a 17. On repart de là jusqu'à l'autre bout. Ici, on est à 43 blocs et vous êtes juste à côté du mur en diorite. De ici jusqu'à ici, on en a 9. De là à là, 4. On repart d'un bloc par devant. Et de là à là, on en a 15. On est aligné avec en dessous, normalement. Puis de là à là, on en a 13. De ici jusqu'ici, on en a 24. De là à là, on en a 20. Et du coup, vous êtes retombé sur vos pattes, hein, normalement. Et donc, comme les étages d'en dessous, on va, hop, remplir notre étage. Et hop, oula! Ah, voilà. Tout est contrôlé, tout est sous contrôle. Ok, donc j'ai rempli le troisième étage. Maintenant, il va falloir faire le toit, hein, dont j'ai fait les formes ici. Je vous propose de prendre du coup ce grand et magnifique pilier en diorite. Et on va prendre ici, on va compter 1, 2, 3, 4 et 5 blocs de hauteur. Puis 1 et 2 blocs ici sur le côté pour avoir ce bloc là. A partir de là, je vais vous donner les dimensions pour le toit. On va partir d'ici sur le côté et on va aller jusque là de 20 blocs. Hop. Puis de là à là, vous avez 15 blocs juste à côté du mur en diorite. On va sur la droite et de là à là, on a 12 blocs. De là à ici, on a 30 blocs. Puis de là à là, il y en a 20. Et de ici jusque ici, il y en a 12. Hop, de là jusqu'à là, on en a 7 et on est normalement retombé sur notre bloc de départ. Ok, et bien comme les étages en dessous, on va remplir notre surface. Et hop, voilà pour le toit. Voilà. Alors du coup maintenant on va faire la piscine ici sur le côté qui est donc tout en zigzag, hein, c'est ça qui est assez intéressant, d'autant plus qu'elle suit complètement le contour du bâtiment. Hop. Alors, je vais prendre une potion de vision nocturne quand même.
Voilà, ça sera plus clair. On va prendre notre coin ici de la maison, hein, donc c'est vraiment ici à l'intérieur, hein. Ok. Hop. Et dans le coin à ce niveau-là, sur le sol, on va projeter une planche de sapin, tout simplement, ici. Et à partir de là, je vais vous donner les dimensions pour réaliser la terrasse de la piscine. Hop, entre là et ici, on va faire une ligne de 25 blocs de planches de sapin. Puis de là à là, ça sera 10 blocs. De là à là, on va en faire 5. Entre le coin ici et ici, on va en faire 14, pardon. De là à là, on en a 25. Puis de là à là, on en a 16. De là à là, on en a 5. Puis ici, jusqu'à notre bloc de départ, on en a 20. Normalement, vous avez la partie ici, du coup, en planche de sapin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la monter à 2 blocs de hauteur, hein, ici comme ça. Et une fois qu'on aura fini de la monter à 2 blocs de hauteur, hop, j'en fais rapidement, eh bien, on va combler le dessus ici comme ça, hein, vous voyez, pour avoir une surface, hop, complètement en bois, hein. Hop, comme ça, hein. Et on fait ça, du coup, sur toute la longueur, hop, de la terrasse. Ok, donc, une fois qu'on a ça, je vais vous donner les dimensions pour le reste de la terrasse ici, comme ça, hein, qui sera fait en blocs de quartz lisse et en verre. Donc, prenez vos blocs de quartz, on va ici, vraiment, voilà, donc, on va vraiment ici, là-bas, sur le coin, en haut à gauche. J'ai toujours du mal avec ma droite et ma gauche, mais à gauche, du coup, de la terrasse. Sur le sol, au niveau du dessus ici, on va mettre notre premier bloc de quartz. Et entre là et là, on fait une ligne de 11 blocs. Entre ici et ici, on a une ligne de 26 blocs. On va sur le côté, on prend des blocs de verre et on en fait une ligne de 17 blocs. Hop. Entre là, jusque là, on en a 3 blocs de quartz. Hop, de là jusqu'à là, on en a 8. De là, jusque là, 8 aussi. Hop, hop, ici 3. On revient vers le dessous avec une ligne de verre de 9 blocs. On continue avec le verre entre ici jusque là de 18 blocs. Sur le côté, on reprend les blocs de quartz. Et on va faire une ligne de là jusque là de 11 blocs. Et normalement, vous en avez 2 sur le côté qui restent pour aller rejoindre les parties en planche. Ok, une fois qu'on a ça, on va doubler la hauteur de tous les hop, blocs, toutes les lignes comme ça de verre et de quartz hein, qu'on a mis. Hop. Ok, voilà à quoi ça ressemble du coup. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever le sol ici en herbe. Hein. C'est quand même mieux. On va enlever aussi les blocs qu'il y a dessous, les blocs en verre. Ok. Et on va enlever toute la surface ici de la piscine d'herbe. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ok, donc maintenant, l'idée, c'est que l'on va remplir le fond de la piscine avec des blocs de béton bleu comme ça. Et que sous les blocs de verre, ok, on va faire un truc un peu différent. On va utiliser des escaliers en quartz. Ok, et on va les mettre... Ah, normalement, il faudrait les mettre dans cette forme-là, vers cette direction-là. En dessous, ici, d'ailleurs, on va rajouter un bloc de quartz. Ok, bon, il faudra enlever une bloc de... un bloc de terre, du coup, du côté de ce côté-là aussi de... Hop, de la piscine pour pouvoir mettre les escaliers dans le bon sens. Il faut vraiment les mettre d'un ce côté-là, c'est-à-dire vraiment vers la pelouse finalement, hein, les escaliers vers la pelouse. Puis après, on rebouche ici comme ça. Hop. Voilà. Et puis l'intérieur, elle, on le fera vraiment... on lui fera vraiment en bloc de béton bleu comme ça. De bleu, béton bleu clair sur toute la surface. Et puis voilà, pareil ici, hein, on rajoute des escaliers comme ça sous les hop, blocs de verre. Hein, et on puis on n'oublie pas les petits blocs ici aussi en quartz. Tac, tac.
Voilà. Ok, maintenant on est bon. Plus qu'à mettre le béton. Et youp. Ok, donc ben à notre jolie piscine maintenant, il nous reste plus qu'à mettre de l'éclairage et à rajouter des seaux d'eau jusqu'à pouvoir tout remplir hein, finalement. L'éclairage à la limite, on pourra le mettre après. Hop, voilà, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Youp. Ok, donc maintenant pour finir notre piscine, on peut remarquer qu'ici, là, il y a une espèce de carré qui n'est pas fini. Eh bien, on va s'occuper de ça. On va creuser dans le sol, ici, comme ça, vous voyez, et on va pouvoir mettre des blocs de machins, là, de trucs qu'on utilise pour faire les machins. Les bidules, là, les trucs blancs, là, les quartz, voilà. Je trouvais plus le mot. Les blocs de quartz lisses. Voilà, donc on va creuser comme ça, on va même creuser un deuxième bloc d'eau profondeur parce qu'on est des gueudins, n'est-ce pas? Youp! Tac, 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 on enlève tous les blocs qu'il y a sur les côtés en dessous des murs de quartz qu'on a déjà fait, on les remplit comme ça, n'est-ce pas? Et alors là, on va pouvoir utiliser quelque chose de magique, de phénoménal, d'incroyable et de subtil. Ou pas, hein, c'est le podzol. Le podzol, donc, qui est du podzol, hein, techniquement. Voilà, je savais pas du tout comment finir ma phrase. Du coup, voilà, on fait tout le sol comme ça en podzol et on va pouvoir utiliser des barrières en chaîne comme ça, n'est-ce pas? Un ici, un là, par exemple. Ainsi que des blocs de feuilles. Alors, on va pouvoir faire genre 2, 3 barrières comme ça ici, 2 barrières ici. 1, 2, 3, 4, 5 blocs de feuilles sur celui-là. 1, 2, 3 blocs ici peut-être. Comme ça, ça nous donne une espèce de d'élan comme ça pour aller vers la maison. Ouais, pourquoi pas? On va pouvoir continuer avec les feuilles ici sur le côté de notre piscine. Comme ça, de 3 blocs de hauteur, tous les 1 bloc d'espacement entre chaque, voilà, n'est-ce pas? Hop, ici, ici il y aura une route, un petit chemin pour aller jusqu'à la maison. Du coup, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs d'espacement. Et après, on va faire ça comme ça, tac, tac, et on va en rajouter 2 comme ça. Paf, 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 et on va rajouter un bloc ici, du coup, sur chacun des blocs de feuilles qu'on a mis. Ok. Ok, donc, on va faire 2-3 petits détails. 2-3 petits détails, du coup, en dessous de la maison, vraiment sur la partie du dessous. Alors là, vous avez pu remarquer que j'ai mis au sol tous les murs et toutes les fenêtres qu'il y aura, du coup, au premier, aux étages. On va s'en occuper après. On va sur notre entrée, ici, là, vous voyez, la grande plateforme d'andésite qu'on avait fait au départ. On va prendre des dalles en roche lisse, et on va partir de notre mur en diorite, ici, comme ça. On va compter 1, 2 et 3 blocs, ici, comme ça, puis on va mettre des dalles en roche lisse sur 4 blocs. Et puis, on va faire un escalier, comme ça, avec 2 marches à chaque fois. Hop, comme ça, hein, vous voyez. Et l'idée, c'est que cette forme-là, on la fasse sur les 4 blocs de large de notre escalier. Youp, voilà, tac, 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 tac. Et une fois qu'on a fait notre escalier, on va prolonger l'escalier par un petit chemin qui va hop, se prolonger sur 1, 2, 3, 4 blocs, lui aussi. Parce que on va faire un espèce de parking pour la maison qui va débuter à ce niveau-là, donc à 4 blocs par devant notre escalier ici. Hop, on prolonge du coup ici toute une forme comme ça, je vais vous donner les dimensions juste après. Hein. Hop, d'ailleurs, dimensions que je ne connais pas hein, par cœur, je connais certaines dimensions mais pas toutes. Hop, donc c'était sorte de parking ici. Et on va compter donc 1, 2, 3, 4 blocs sur le côté de notre chemin. Et à partir de là jusque là, on en a 11. Donc 4 et 11, très bien. On va recompter la même chose ici. 9, 10, 10, 11. Et 1, 2, 3 et 4 ici comme ça. Donc c'est très très bien. Hop.
Voilà, donc l'idée c'est d'avoir cette forme là. Ok, donc je vais vous donner les dimensions. On va utiliser, enfin on va creuser dans le sol tout simplement. Hop, par devant nos dalles ici comme ça, hein. Sur le côté entre là et là on va creuser 9 blocs. Entre ici et ici on en va en creuser 10. Et entre là et là c'est 11. Puis après vers là c'est jusqu'au bord de votre parcelle, hein. Hop, puis ici sur le côté de notre chemin, jusque là, on en a 4. Et puis de là, voilà, jusqu'au bord de la parcelle après, dans ce sens-là. D'accord? Donc moi je vais aller, je vais m'arrêter ici pour les besoins de la vidéo, pour pas que ça soit trop long. Mais voilà, l'idée c'est qu'on enlève toute la terre qu'il y a dans cette partie-là. Hop, alors, du coup... On va utiliser les escaliers en andésite poli et on va venir les mettre comme ça sur le bord de notre petit parking, hein, qu'on vient de commencer. L'idée c'est de laisser un bloc d'herbe entre le parking et la piscine. Hein. Hop, 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 comme ça. Et on fait tout le tour comme ça, ok. On va venir aussi creuser 2 sillons autour de notre escalier comme ça. Hop, et on va venir mettre des escaliers en diorite aussi de cette façon. Voilà, en n'oubliant pas ici, vous voyez, de remplacer le bloc en dessous pour que ça soit joli. Paf, et hop. C'est juste histoire de donner un petit relief à côté de l'escalier, vous voyez. Tout le reste ici de notre surface, on va la combler avec des blocs de d'andésite poli. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté, hein, en partie, on va refaire le même escalier, youp, ici. Donc l'idée c'est qu'on va prendre un côté ici comme ça, on va compter 1, 2, 3 et 4 blocs, et on met un bloc de roche lisse par devant comme ça, sur 4 blocs de large. Et pareil, on fait un escalier avec 2 dalles par marche, ici comme ça, n'est-ce pas? Youp. Hop, ok, donc, une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir prolonger le chemin ici comme ça, par toujours des... Hop, je vais vous montrer sur la maison, ça va être plus simple. Vous voyez, donc on va faire un chemin comme ça qui va prolonger ici notre escalier, qui va venir tout sur le côté, qui va recoller... un autre chemin qui sera ici, d'accord? Qu'on va faire juste après. L'idée, c'est de toujours garder 4 blocs de largeur pour notre chemin lui-même. Hop, tac, tac, tac. Hop, donc l'idée, voilà, on va le faire sur... Hop, on comble ça rapidement et puis... Youp. L'idée, c'est de partir dans ce sens-là. Donc on va même faire 2 blocs de plus parce que pourquoi pas, hein, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4 blocs, ok, puis après on ira dans ce sens-là. Et je vais vous donner les dimensions tout de suite. Donc par devant notre escalier ici, on va faire un prolongement de 11 blocs. Comme ça, et de l'autre côté, youp, de 7 blocs. Toujours en gardant 4 blocs de marge pour le reste du chemin que l'on va faire venir... en gros de là jusque là, en gros on ira jusqu'ici, donc 61 blocs au total, d'accord, youp, ici comme ça, puis après on ira rejoindre le chemin qu'on fera ici. Ok, donc je vais creuser tout ça, hein, donc 4 blocs de large, hop, sur toute la longueur, hop, voilà. Alors, du coup, ici, sur le côté, on va utiliser les dalles en quartz lisse, ok? On va venir prendre ici notre bord de notre coin de... On va compter 1, 2 et 3 blocs ici, comme ça, hein, et on va mettre une ligne de 4 blocs de dalles en dessous. Puis, on va faire un escalier comme ça, de dalles en quartz, hop, jusqu'au sol, en essayant de faire un truc un peu joli, hein, tac, tac, tac. «
Hop, voilà. Et puis on va prolonger la route ici, mais on va la prolonger avec du gravier, pour le coup. Ok, sur 4 blocs de large, hein, encore une fois. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'au bord de votre parcelle. Alors moi, j'ai utilisé ici, parce que c'est des parcelles standards que j'ai utilisées. J'ai utilisé partout ici des parcelles de 100 blocs par 100 blocs. Mais évidemment, vous pouvez utiliser des parcelles de la taille que vous voulez, ça change pas grand-chose. Youp. Donc ici, une fois qu'on a fait notre trou ici comme ça, l'idée c'est qu'on va venir rejoindre ce hop, chemin ici, comme ça, hein, 4 blocs de large à chaque fois, pour revenir ici, tac tac. Sauf que évidemment, là on va utiliser du gravier, comme ça, hop, n'est-ce pas? Et ici, on va prolonger tout simplement les dalles en roche lisse, n'est-ce pas? Incroyable, magnifique, superbe. Et tout ce qu'il faut. Youp. Et comme ça, on est bon. Ok. Une fois qu'on a ça, on va venir faire... On va venir continuer les pilotis de la maison. Donc en dessous, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et c'est très sombre. Donc on va mettre de l'éclairage déjà. Histoire d'y voir un peu quelque chose. On va utiliser des lanternes aquatiques. Et on va venir ici sur le côté de notre... de notre pilier en diorite, et tous les deux blocs on va venir mettre, vous voyez, des lanternes aquatiques. On va laisser un bloc ici comme ça, hop, lanterne aquatique, on compte deux blocs et à chaque fois comme ça. Ok, on va faire la même chose autour de notre grande partie en andésite poly qu'on avait fait au tout début de la maison. On vient ici dans le coin entre l'escalier et le mur en andésite, ici comme ça, et on va mettre tous les deux blocs à partir de là, des lanternes aquatiques dans le sol. Hop, 1, 2, paf. Hop, puis après on va dans ce sens là, et tous les deux blocs on rajoute une lanterne aquatique. Paf, paf, d'accord, la même chose de l'autre côté ici, paf, 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 etc, etc, vous avez compris l'idée. Et hop, 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 et on arrive ici. Donc déjà on y voit plus clair. L'idée maintenant c'est d'utiliser des barrières en chaîne et de les mettre sur tous les blocs de lanterne aquatique. Et on va venir mettre des feuilles par-dessus. Hop, vous voyez, sur deux blocs de hauteur, hein, comme ça, tac, tac, tac. Et on le fera ça sur toutes les lanternes aquatiques qu'on vient de mettre dans le sol, n'est-ce pas ? Moi, je vous montre ici que sur cette rangée-là, parce que comme ça, ça me fait gagner du temps sur la vidéo, mais il faudra le faire sur toutes les lanternes qu'on vient de mettre. Ok, maintenant, on va mettre des pilotis en escalier de pierre noire, d'accord? Donc l'idée, vous prenez ici le coin de la maison, du premier étage, d'accord? On va compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6 blocs ici comme ça. Puis un bloc dans ce sens là, et on va mettre un escalier de cette façon là, puis un escalier à l'arrière, en dessous, à l'arrière, ici comme ça, ah ben non, hop, comme ça, hop, de l'autre côté aussi, et on va faire une forme de V au final, vous voyez, un pilotis comme ça en forme de V. La même chose ici, de ce côté-là, donc on va prendre ici le coin comme repère, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs, puis après 1 et 2 blocs comme ça, et on met l'escalier dans ce sens-là. Ok, puis pouf, pouf, on fait une forme en V comme on avait fait justement de l'autre côté. Hop, et on va en faire deux autres comme ça après, hein, n'est-ce pas? Voilà. Hop, de l'autre côté de la maison, tout là-bas, de l'autre côté. Hop, ici, on va prendre ce coin-là. Et on va passer sur la diagonale 1 et 2 blocs. Et au deuxième bloc, on met un bloc comme ça, hein, d'escalier. Et vous l'avez compris, on va faire la même chose. Hop, tac, tac, tac. Il nous reste un à faire après celui-là. Voilà. Ce sera celui-là ici, donc on va sur cette partie-là de la maison, on compte le
coin à ce niveau-là et on va compter 1, 2 et 3 blocs sur la diagonale et on va pouvoir mettre notre premier bloc d'escalier comme ça et faire la même chose. Youp. N'est-ce pas? Pouf, pouf, pouf et pouf. Voilà, maintenant il nous reste deux autres pilotis à faire, mais c'est un petit peu particulier vu que ce sera sur cette sur ce mur-là. Ok, donc on prend le mur de diorite, on met un bloc ici de ce côté-là, et on va mettre des escaliers comme ça, d'accord, pour faire un support comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté ici. Ok, la même chose de l'autre côté, hein. Hop, 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 et alors, bah ici il n'y a pas la place, donc on mettra qu'un seul de ce côté-là, un seul support ici comme ça. Ok, donc une fois qu'on a ça, bah, on est pas mal. On va pouvoir mettre en place les murs vraiment de la maison. Donc l'idée c'est que là j'ai mis l'empreinte au sol des murs et des fenêtres et il faudra faire exactement la même chose et les prolonger jusqu'au plafond comme vous pouvez le voir sur la maison là-bas. Hein. Tous les murs sont rectilignes et les fenêtres aussi. Comme ça c'est bien pratique. Ok, donc je vais commencer à partir de l'entrée de la maison hein, comme il se doit. Oh, hop, et donc ici on va utiliser des dalles en quartz. Ok, on va compter un bloc par rapport au mur en diorite. Et deuxième bloc, on va rajouter une marche ici comme ça de 3 blocs. Ok, vers l'intérieur de la maison, on va laisser un bloc ici de marge. Et vers un bloc vers l'intérieur de la maison, on va... Bref, vous prenez le coin ici, vous mettez un bloc ici comme ça sur la diagonale, un bloc de béton gris. Comme ça, c'est plus simple. Ok, à partir de là, je vais vous donner toutes les dimensions. Vous mettez un autre bloc de béton gris sur le côté, vous mettez 3 blocs d'ouverture, on met rien du tout, ici. Puis 4 blocs de béton comme ça, un petit bloc de vitre ici entre le béton et le mur en diorite. 3 blocs d'ouverture, 4 blocs de béton, et à partir de là, on va faire une ligne de 10 blocs d'ouverture, 4 blocs de béton, 3 blocs de vitre, 4 blocs de béton, hop, dans ce sens-là, 3 blocs de vitre, 4 blocs de béton, 3 blocs de rien du tout, d'ouverture. Entre là et là, vous avez 4 blocs de béton. Hop, entre là et là, vous avez encore 4 blocs de béton, 3 blocs de vitre, 1 bloc de béton. Normalement, vous êtes collé à votre grand mur en diorite, ici, comme ça. De manière générale, c'est toujours calculé pour que ce soit 4 blocs de béton, 3 blocs de vitre. Voilà, donc... voilà. À l'arrière de la maison ici, du coup, de l'autre côté de la grande, du grand mur en diorite, ici, on laisse un bloc de marge sur le côté, un bloc vers l'intérieur et on met un bloc de béton, 3 blocs de vitre, 4 blocs de béton, 3 blocs de vitre, 4 béton, 3 vitres, 4 béton, 3 vitres et 2 de béton. Attention, ça change. Hop, dans ce sens-là, on met 2 de béton aussi, 3 vitres, 4 béton, 3 vitres, et là on retombe sur notre bloc de départ. La partie qu'on n'a pas encore faite, c'est cette partie-là. Ok, on avait fait cette ligne ici, mais on n'a pas fait cette partie-là. Ok, donc vous reprenez, voyez, cette ligne de béton à ce niveau-là, et ici vous mettez 3 blocs de vitres. 4 blocs de béton, 3 blocs de vitre, 4 blocs de béton et des vitres ici, donc de là à là ça fait 5, sauf que, hop, cette partie là, là et là, c'est juste des vitres simples, il faudra pas les monter jusqu'au plafond, ce sont juste des barrières pour le balcon. Hop, on reprend notre bloc de béton ici, on va sur la droite, on en met entre là et là, il y en a 4, 3 blocs d'ouverture. Ici du béton dans ce sens là 4 blocs, 2 blocs de vitre et puis bah, du béton comme ça, limite celui-là c'est pas nécessaire. Ok, donc on a fait cette partie de la maison. De l'autre côté ici on va partir du coin à ce niveau là, ça sera plus simple.
On va compter 1, 2, 3 vers l'arrière, un bloc ici par devant et on commence à partir de là. 4 blocs de béton gris, 3 vitres, 4 bétons, 3 vitres, 4 bétons, 3 vitres, 4 bétons, voilà vous avez compris l'idée. Hein. 3 blocs de vide où on mettra rien du tout, 4 bétons, et là, cette grande vitre là, ça sera la barrière pour le balcon. D'accord, on fera ça plus tard. On va dans ce sens là, on met 3 blocs d'ouverture, 4 blocs de béton, 3 blocs d'ouverture, 4 blocs de béton, 3 blocs de vitre ici, 4 blocs de béton ici, puis on fait une coudée jusque là de 4 blocs, repareil, hein, 3 blocs de vitre, 4 blocs de béton dans ce sens là, puis 3 vitres, 4 bétons, 3 ouvertures, 3 blocs de rien, 4 blocs de béton, 3 blocs d'ouverture, de vitre pardon, 4 blocs de béton jusque là, puis de là à là 4 blocs de béton, 3 blocs de vitre, et ici on retombe sur notre bloc de départ avec 4 blocs de béton. Ok, vers l'arrière ici du coup. Eh bien, ça sera juste une barrière normale, il faudra pas la monter jusqu'au plafond, celle-ci. Et donc, on va faire une ligne de là jusque là, de 10 blocs de vitre. Puis de là jusqu'au coin ici, hein, vous voyez, donc de 11 blocs. Et puis de là jusqu'au mur en durite. Ok, on monte tout ça jusqu'au plafond maintenant. Allez, hop. Ok. Voilà ce que ça donne, hein, du coup. Alors vraiment, peut-être il y a une dernière chose à dire. Ici, voilà, de ce côté-là, je vous ai pas dit pour cette partie-là. Donc l'idée, à côté du mur ici, vous avez une barrière en vitre qui va faire jusqu'au bord, enfin qui va aller jusqu'au bord de la plateforme, qui va aller tout jusque-là, jusqu'à rejoindre ici cette partie du mur. Cette fois-ci, cette vitre ici n'est qu'une barrière et donc il faudra pas la monter jusqu'au plafond. Ok, on va faire le deuxième étage du coup maintenant. Ok, on va partir de ce bloc là, hein, de ce coin ici. Je prends un peu de recul, donc ça sera vraiment ce bloc là de la maison. Ok, on va à l'arrière, on va compter 1 et 2 blocs. On va poser notre premier bloc ici comme ça par devant. Et pareil, on va faire 4 blocs de béton comme ça. 3 de vitre, 4 bétons, 3 vitres, 1, 2, 3, 4 et 5 blocs de béton sur ce coup-ci. À partir de là, 1... Et ici, il faudra faire 4 blocs de béton, 3 vitres, 4 blocs de béton, 3 vitres, 4 bétons, 3 vitres, 4 bétons, mais dans ce sens-là, 3 vitres, 4 bétons. Ici, la grande vitre, ici, eh bien, ça sera la grande ligne de vitre, ça sera une barrière. Donc, l'idée, c'est qu'il faudra prolonger depuis le béton tout jusqu'à ici, donc en laissant un bloc de marge par rapport au bord de la plateforme. Puis on relie jusqu'au grand mur en durite. On repart ici avec notre bloc de béton. On va laisser une ouverture de 3 blocs comme ça. 4 bétons, 3 vitres, 4 bétons. Ici comme ça, vous dépassez d'un bloc la partie en durite. Hop. Alors, on va reprendre à partir de ce bloc-là, c'est-à-dire qu'on va compter entre là et là, il y a 6 blocs. On met au 7ème bloc un bloc de béton gris. Puis ici 3 blocs de rien du tout pour laisser une ouverture. 4 bétons, 3 vitres, 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 3 bétons. 3 bétons juste pour l'arrière ici vraiment. Donc là vous êtes arrivé au bord, hein, de la plateforme. Ok comme ça. Donc, de là à là, vous reprenez 4 blocs de béton, 3 vitres, 4 bétons, 3 vitres, et ici 3 blocs de béton, comme l'autre côté, et on laisse 3 blocs d'ouverture pour avoir accès à la grande terrasse ici. 4 blocs de béton, 3 blocs de vitre, 4 bétons, 3 vitres, 4 bétons, hop, 3... Rien du tout, 3 blocs d'ouverture, 4 blocs de béton. Et on s'arrête là.
on prend notre bloc de diorite, ok, on va dans ce sens-là. Au pied, on met un bloc de vitre, puis un autre bloc de vitre à côté. 4 bétons, 3 blocs d'ouverture, 4 blocs de béton. Hop, et dans ce sens-là, on revient ici. On met 3 vitres ici comme ça, 4 bétons, 3 vitres, et normalement, vous êtes revenu à votre bloc de départ ici comme ça. Hop, ici, on va faire 3 blocs de vitres, puis après, tout sur la longueur ici comme ça, juste en laissant un bloc sur le côté, et en revenant sur notre bloc de béton comme ça. Ça sera une barrière pour un balcon, donc on ne le montera pas jusqu'au plafond. Et ici, on va faire une autre ligne de vitre. Hein, donc, vous voyez ici, à partir de ce bloc-là, on va faire une ligne de vitre qui va être justement qui va longer le bord hein, de la plateforme. De là à là, on va avoir 24 blocs de vitre. De là à là, 18 blocs. Vous êtes de l'autre côté de la plateforme ici. De là à la 22, 15, 5, de là à la 12, et puis on n'en a que 3 ici. Ok, mais ça, ce sont des vitres de barrière pour la terrasse, et donc il ne faudra pas les monter jusqu'au plafond. Bah, de toute façon, il n'y a pas de plafond, donc comme ça, moi, c'est réglé. Et de l'autre côté aussi, ce sera la même chose. Hop, ici, là, vous voyez, on va mettre 2 terrasses de part et d'autre de la grande partie en mur, en diorite. Et donc ici, là, on va prolonger le bord du mur en diorite jusqu'au bord de la plateforme, puis revenir sur le partie en béton. La même chose ici de ce côté-là, mais il me semble que je vous ai déjà dit pour ce côté-ci. Ok, donc maintenant plus qu'à monter les murs. Ok, donc voilà ce que ça donne. Normalement, hop, vous voyez, les parties du dessus hein, sont alignées avec celles du dessous, hein, et au niveau des blocs de béton et des vitres, pareil. Les vitres du dessus sont alignées avec celles du dessous, voilà, comme ça à chaque fois. Hop, donc si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Pour le dernier étage maintenant, on va faire un peu la même chose. On va partir du mur en diorite ici comme ça, d'accord. On va partir à l'arrière ici. Et au-dessus du mur qu'on avait fait en dessous, hein, vous voyez, on fait la même chose. Ici, on pose notre premier bloc de béton ici comme ça. À un bloc du bord. Et on va compter à partir de là. Donc 3 blocs de vitre, 4 de béton, vous avez compris l'idée. Hein, 3, 4, 3, 4, 3 et 4 ici comme ça, donc aligné avec en dessous. Et à partir de là, hop, on va prendre 4 blocs dans ce sens-là, hein, vous voyez, on va faire un L comme ça. Puis vous voyez, 3 blocs de vitre, 4 blocs de béton, 3 blocs d'ouverture. On reprend ici dans ce sens-là, on a 4 blocs comme en dessous. Hein. 2 bétons, 3 vitres, 4 bétons, 1 bloc de vitre pour relier à la partie en diorite. La partie en diorite d'ailleurs, on va laisser un bloc ici comme ça sur le côté, on va mettre un bloc de béton. Puis 3 blocs d'ouverture, 4 blocs de béton qu'on est aligné avec l'autre côté en face normalement. Hein. 3 blocs de vitre, pareil aligné. Hein. 4 de béton, 3 vitres et 4 blocs de béton dans ce sens-là pour le coup. 3 blocs d'ouverture, 4 blocs de béton. Vous êtes sur le dernier bloc de béton ici comme ça sur la diagonale par rapport au bloc de diorite. Et normalement, c'est tout. Normalement, c'est bon. On va faire 3 terrasses assez grandes pour cet étage. Donc l'idée, c'est de venir reprendre notre bloc ici. On va faire une ligne de vitre dans ce sens-là. Jusque là de 13 blocs. Hop, de là jusqu'à là, c'est jusqu'à l'autre partie, on en a 12. Puis de là jusqu'au bloc de diorite, on en a 11. On va venir faire une autre terrasse à ce niveau-là, d'accord. On va venir prendre notre partie en diorite. Et ici, on va mettre une ligne de vitre de 7 blocs. Puis de là à là, on en a 14. Puis de là jusqu'au bloc de béton, on en a 13. La dernière terrasse, on va prendre notre bloc ici. Dans l'alignement, on va mettre 11 blocs de vitre. Ici, jusqu'à l'autre côté, 15. Et de là, jusqu'au bloc de béton, 11.
Et donc voilà, donc ces parties-là, il faudra pas les monter au plafond. Hein. Il n'y a pas de plafond. Voilà, encore une fois. Donc pour tous nos murs ici, eh bien on les monte aussi au plafond. Et youp. Ok, donc voilà pour le troisième étage. Hein. Et quand même la maison commence à prendre pas mal forme. Hein. On commence à vraiment voir les choses. Maintenant il nous faut faire les finitions. Et comme vous pouvez le voir du coup sur la maison que j'ai fait ici. Il y a des grandes parties avec des jardins suspendus, des jardins sur les toits, sur les terrasses et tout ça. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Ok, on va vraiment... on va faire ça. Hop, donc sur cette grande terrasse ici, vous voyez, j'ai délimité les jardins par des dalles en roche lisse. Et donc je vous invite à venir sur le côté ici entre mur en diorite et ici notre mur de la maison. Et on va faire, hop, notre premier bloc ici comme ça. Notre premier bloc de dalles. Entre ici et, hop, ici, vous avez 12 blocs. Et normalement, vous êtes juste à côté de votre bloc de vitre qu'on avait laissé ici. Entre là et là, on en a 6. De là à là, 7. De là à là, ça fait 20. Hop, ici ça fait 6, et normalement vous êtes aligné avec votre bloc de départ, et entre là et le bloc de départ ici, vous en avez 25. Ok, l'idée une fois qu'on a ça, c'est qu'on va venir creuser dans le sol, et on va venir remplacer tous les blocs ici de quartz, et on va venir les changer par des blocs d'herbe, voilà. Alors pour la petite astuce d'ailleurs, hein, pour ceux qui se demandent comment je fais pour pouvoir remplacer les blocs de quartz comme ça juste en cliquant dessus, c'est en cliquant simultanément sur la clic gauche et le clic droit de la souris, n'est-ce pas? Hop, et puis ben voilà, comme ça, ça remplace les blocs directement. Ok, donc voilà, l'idée c'est qu'on va faire ça sur chaque terrasse quasiment et sur le toit. Pas sur toutes les terrasses, cette terrasse-là, là-bas, il n'y en aura pas. Alors, sur la terrasse, ici, juste au-dessus, on va venir prendre le bloc d'ouverture, ici, donc de la porte, finalement. On va laisser un bloc ici, et hop, sur le côté, on va prendre des dalles de roche lisse, et on va faire une ligne comme ça, de 6 blocs. Puis de là, jusqu'à là, on en a 8, et puis re-là, jusque-là, ça fait 6, et on revient coller à notre mur, ici. Hop, sur le toit. On va partir du mur en diorite ici. On va compter un bloc sur le côté, deux blocs et hop, un autre bloc par devant. Et on a notre coin de dalle de roche lisse. Jusque ici, on a 16 blocs. De là jusque là, on en a 15. De là jusqu'au coin ici, 16 blocs. Et re ici jusque là, on en a 15 à nouveau. On creusera dans le sol aussi, évidemment. Hop, sur cette terrasse ici, on va venir prendre le coin à ce niveau-là. On va compter 1, 2 blocs. Sur le côté, on met notre dalle en roche lisse. On fait une ligne de 13. De là, jusque-là, on en a 5. Et de là, jusque-là, 13 également. Et puis ici, 5 aussi. On va en faire une dernière sur la terrasse qu'il y a ici. Il y a plein de terrasses partout, hein, si vous n'avez pas remarqué. Hop, donc on va prendre l'ouverture à ce niveau-là. À partir de là, jusque là, on a 7 blocs. 7 dalles, plutôt, devrais-je dire. Puis de là, jusque là, on a 8 blocs et on arrive au pied du mur. Ok, donc maintenant, on va remplacer l'intérieur de ces de toutes ces zones qu'on vient de faire par des blocs d'herbe, hein. Hop, l'idée c'est ça. Youp, donc ici un hein, partout, ici aussi, etc. etc. Ok, donc une fois qu'on a ça, eh bien on va venir prendre des barrières en chêne, hein, classique. On va venir utiliser des feuilles en chêne également et on va venir mettre quelques arbustes finalement sur nos jardins. Voilà, on va mettre des barrières un peu comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 5 blocs d'écart entre chaque, pourquoi pas. 4, 5, paf, 1, 2, 3, 4, 5, mettons quelque part par ici. Hop, deux blocs de chêne, de feuilles de chêne par-dessus.
Hop, voilà. Quelques barrières ici comme ça. Je mets pas les feuilles à chaque fois pour gagner un petit peu de temps, mais vous voyez l'idée, hein. Hop, pour vous, vous devriez les mettre. En tout cas, je vous y encourage, hein, parce que ça ferait quand même plus joli. Hop, on mettra aussi des barrières ici comme ça, par exemple. Hop, sur cette partie-là, on va même en mettre un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on va faire... On va mettre une barrière ici. On va en mettre 3 ici, 2 ici, par exemple. 5 comme ça. Hop, non, 4 plutôt. Et ici, on en a combien ? 6. 4 feuilles ici, 6 ici. Et puis voilà, c'est pas mal. Ok, on va rajouter du coup de la poudre d'os. Hop, et on va venir faire... Voilà, on va venir mettre de la poudre d'os un peu partout ici sur, bah, sur les jardins suspendus, sur les terrasses. Sauf que vous voyez, la poudre d'os donne beaucoup de fougères ou de blocs qui font 2 blocs de hauteur, de fougères, de 2 blocs de haut. L'idée, c'est de casser uniquement les grandes fougères pour pouvoir avoir un jardin avec des... hop, avec des blocs qui ne dépassent pas, en tout cas avec de l'herbe qui ne dépasse pas 2 blocs de haut. Vous voyez, comme ça, ça fait une pelouse assez rase, un peu comme si elle était tondue, et c'est plutôt pas mal. Hop, je trouve en tout cas. Donc voilà, on enlève les grandes fougères. A chaque fois, on fera ça partout, hein, sur toutes les terrasses. Ok, maintenant on va rajouter du coup les mobiliers de terrasse. Hein. Alors ça, je peux vous montrer sur la grande maison. Voilà, ça sera un peu partout la même chose. En gros, on va utiliser des transats que l'on va faire en escalier et en dalle de chêne noir. Vous voyez comme ça, hein. Hop, escalier, dalle, un transat, magnifique, surprenant, fabuleux. Sur le bord ici de notre maison, on va pouvoir rajouter comme ça quelques feuilles qui tombent un petit peu comme ça de la maison. Ça rend plutôt bien, c'est toujours une vieille astuce qui marche. On en met une fois de temps en temps, un peu sur le toit, sur une terrasse. Pas partout non plus, hein, ici, vous voyez. Mais quand même un petit peu. Hop, ici, pareil, on va réutiliser les transats en chêne noire. Sauf que, par devant, on va pouvoir mettre une grande table dans le style moderne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser, hop, 2 dalles comme ça pour faire un bloc. Et juste des dalles sur la partie supérieure du bloc, sans rien en dessous. Sur une grande longueur comme ça. Pour donner une table ben, qui est assez à la fois minimaliste et très moderne. La même chose ici, hein, vous voyez, donc transat table avec... bon, c'est tout. Ici, pareil, des transats. En dessous, pareil, hein, vous voyez, transat et table. Sauf qu'on va rajouter aussi des panneaux solaires, hein, donc des capteurs de lumière de 4 blocs de large sur 2 blocs de long. Hop, et on en met 4 comme ça, ici, posés sur la partie, sur cette partie-là. Rajouter des feuilles ici, comme ça, qui tombent sur le côté. Et puis, voilà. Alors, on peut rajouter aussi, au niveau des terrasses, des dalles de quartz, ici, comme ça, qui vont venir, hop, par devant les entrées, en fait. L'idée, c'est que oh, là, vous avez une entrée pour accéder à la terrasse, tout simplement, hein, un accès. Et l'idée, c'est de mettre comme ça un espèce de plafond semi-couvert, une pergola. Bref, de mettre des dalles comme ça. Hop, un coup sur deux pour pouvoir protéger un petit peu l'entrée vers la maison. Ici, comme ça, au-dessus aussi. D'accord. Hop, ici aussi sur la longueur. Hein. Hop, ici aussi. Ici, on n'en met pas parce que voilà. Ok, et évidemment des panneaux solaires aussi comme ça sur le toit de la maison, hein, sur cette partie-là. Donc ici je les ai fait de 1, 2, 3 blocs de large sur 8 blocs de long et espacés de 1, 2, 3 blocs en diagonale par rapport au bord, par rapport au coin du toit. Ok, une fois qu'on a ça vraiment il reste quelques détails à faire, hein, vraiment. Ce sont comment on appelle ça? Oui, des détails, des finitions, voilà. C'est ça, je trouvais plus le mot. On va utiliser des pots de fleurs, ainsi que des orchidées bleues.
et on va les mettre de temps en temps comme ça, trois blocs de pots de fleurs alignés, soit devant une fenêtre, soit ici sur le côté d'un balcon, et on va les mettre un petit peu partout. Vous voyez, ici, là, hop, ici aussi devant la fenêtre, etc, etc. On peut en mettre un petit peu, alors j'en ai mis ici, non j'ai pas mis ici, tiens, d'ailleurs, c'est assez, assez étonnant. On va rajouter, tac, tac, tac. Comme ça, ça fait pas mal. Vous voyez, ici aussi, au niveau du bas. Voilà. Alors ici, ça c'est pas mal non plus, ça, j'aime bien cette astuce-là. L'idée, c'est de prendre des barres de lende ainsi que des feuilles de chêne. Et on va venir dans l'espèce de petite encoche qu'il y a entre le petit espace, qu'il y a entre la terrasse ici et le bord de la maison. Hop, et ici, vous voyez, on va à ce niveau-là. Donc on va compter le... ici plutôt. On va, vous voyez, dans le coin ici de la maison. Hop, on prend le bloc en dessous. On va sur la diagonale. On en met une barre de lende d'ici comme ça. On compte deux blocs. On remet une barre de lende. Deux blocs, une barre de lende. Et on met 1, 2, 3, 4, 5 blocs de feuilles comme ça. Sur chacune. Et puis ça nous donne un côté sympa. On va utiliser encore une fois les dalles en quartz lisse, et on va venir ici sur la très grande ouverture qu'on avait laissée ici, et on va venir mettre une ouverture comme ça sur quasiment toute la longueur de hop de notre grande ouverture ici, et on va les remplacer par une ligne de dalle hop sur 8 blocs de long comme à l'un. Hop, voilà, c'était une blague, j'assume. Et on fait un petit escalier comme ça, pour accéder à la terrasse tout simplement. Alors, on va aller en dessous de la maison, et on va combler aussi l'envers de l'escalier ici comme ça, tac, 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 tac. Sur deux blocs, et hop, un bloc comme ça, pour que ça fasse joli aussi en dessous de la maison. Ok. Alors, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de rajouter deux choses en particulier. Hop, vous pouvez voir que... Hop, ah, trois choses avec les escaliers. Hop, sous la maison ici, comme ça, eh bien, enfin, dans la maison, hop, sous les jardins, eh bien, finalement, on a les parties en terre qui sont visibles, vous voyez. Là, on avait fait un jardin, et hop, dessous, on voit la terre, donc c'est pas très très joli. L'idée, c'est de rajouter des dalles... comme ça, des lignes de dalles, et de les prolonger, voilà, sur toute une partie de la maison, pour avoir un plafond doublé, finalement, en épaisseur, hein, mais juste avec des dalles, pour éviter de voir, voilà, ici, comme ça, toute cette zone-là, pour pouvoir éviter bah, de voir la terre, tout simplement. Ok. Alors, je vais prendre une potion de vision nocturne, quand même, hein, parce que c'est vrai que... Hop. C'est un peu mieux. Alors, maintenant, on va rajouter des éclairages. peut-être un escalier aussi. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais un escalier, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en a pas. Donc, ici, là, voilà. C'est là, on va prendre, vous voyez, le grand bloc de diorite ici. Alors, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident. Toutes les parties où on voit de la terre visible par en dessous, vous rajouterez des dalles en quartz hein, en dessous pour camoufler. Voilà, donc je vous l'ai montré une fois, mais il faudra le faire sur chacune des parties en terre. Bref, vous prenez cette partie en diorite, vous prenez la grande vitre ici, et sur le côté encore, on va pouvoir ajouter des escaliers en dalle, enfin en quartz. Ici comme ça, on va se décoller d'un bloc du mur, ou peut-être comme ça. Hop, sur trois blocs de large, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ok, et donc l'idée, c'est de prolonger le mur qu'il y a en dessous ici, hein, vous voyez. Hop, comme ça. Ce qui ferait un petit peu une rambarde d'escalier pour notre escalier qu'on vient de mettre ici. Et puis voilà, donc là le trou que j'avais fait à la base, on l'enlève. Hein.
Et puis du coup, maintenant, pour monter à l'étage encore au-dessus, ben, on peut rajouter un autre escalier sur le côté. Hop. Alors, on peut même mettre un autre mur ici. Alors oui, il faudra mettre évidemment des escaliers à l'envers de notre escalier qu'on vient de faire. Ça rend plus joli. Et on peut rajouter un autre mur ici, comme ça, sur le côté de l'escalier. Hop. Et mettre l'escalier pour monter au dernier étage, ici, comme ça. Encore à côté. Hop. Hop. Et hop, ok. Eh ben, c'est pas mal. Alors, on peut même prolonger le mur ici, hein, de béton gris. Youp. Hop, comme ça. Ah, ben, c'est encore mieux comme ça. Ici, ça rend pas trop mal. Ok. Bref, du coup, on a nos escaliers pour monter au dernier étage. Et puis, voilà, donc il nous reste encore deux choses, hein, comme je disais. Ce sont de faire des éclairages. C'est de faire des éclairages. Donc l'idée, c'est qu'on va venir utiliser des chaînes. Ok. On va utiliser des lanternes normales, hein, ainsi que des pancartes en chaîne noire. Et on va venir faire... ici comme ça, pendre des chaînes du plafond, mettre des lanternes au-dessous, hop, et tout un tas de pancartes tout autour pour faire un abat-jour, vous voyez. Et en fait, cette lampe là, finalement, cet éclairage, on va le dupliquer un petit peu partout. Ici, donc du coup, j'ai espacé d'un bloc par rapport au bord du mur, et on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs pour en rajouter un autre. 1, 2, 3, 4, 5 ici, 2, 3, 4, 5 ici, et vous referez la même chose. On va faire la même chose ici au niveau de la du pont, finalement, de la maison, c'est une sorte de pont. Hop, vous prenez le milieu à peu près, même carrément le milieu, et ici, pareil, hop, 1, 2 blocs du bord, troisième bloc, on rajoute une chaîne, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, voilà, c'est bon. Et on rajoutera des lanternes en dessous à chaque fois, hein, vous avez compris, avec les pancartes. Ok, une fois qu'on a ça, du coup, la dernière chose qu'il reste à faire, voilà, ce sont, alors les deux dernières choses, du coup, encore une fois, ce sont le fait de poser des quartz lisses, ici, comme ça, des dalles de quartz sur la façade à l'arrière de la maison. Ça donne un côté... ça donne un peu plus de détails. Hop. Donc, l'idée, c'est de partir ici, sur le, en laissant deux blocs sur le bord de mur, et de faire une ligne, comme ça, de quartz qui aille jusque-là, donc, qui fasse... 8 blocs de longueur en laissant 2 blocs ici, et tout, hop, les blocs ici comme ça, on va faire une longueur de dalle ici comme ça, qui va avoir un bloc de moins à chaque fois, tac 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 tac, ici en dessous aussi, 1 2 3 1 2 1, et normalement voilà, on a un joli triangle en dalle ici comme ça. Et la dernière chose, voilà, enfin on y arrive, qui est très 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 stylée, que moi j'aime beaucoup, c'est que l'on va utiliser les murets en sandstone, donc les murets en grès. Et on va venir ici, là par exemple, vous voyez, à côté des lanternes. Alors, hop, hop, faire des espèces de piliers en sandstone, hop, comme ça. Avec les murets, 1, 2, paf, 1, 2, paf. Et on va venir faire, voilà, comme ça, des espèces de piliers qui vont soutenir une partie de la maison. Même si en vrai, c'est surtout décoratif. Mais je trouve ça très très stylé.
Donc ici, là, vous voyez sur la grande plateforme ici, vous allez prendre le coin de la maison. On va compter 1, 2, 3 blocs. Et au troisième bloc, on va rajouter un muret en sandstone. Tous les deux blocs, on rajoute un muret. Et on les amène jusqu'au sol. Hop. Hop. Alors, de l'autre côté de la maison, on va en faire aussi. Hop, ici, du coup, vous voyez, sur toute la grande partie ici. On va compter à partir de là, 1, 2, 3 et 4 blocs, on en met un. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Hop, hop, etc, etc, vous avez compris l'idée. Et je crois que c'est tout, je sais pas si j'en ai fait un quatrième endroit. Je vais voir, non, normalement non. Il me semble pas, il me semble que c'est bon du coup pour les grands piliers en sandstone. Alors au niveau des détails, vraiment des finitions, ici vous pouvez poser des tapis jaunes qui font office de serviettes, vous voyez, pour pouvoir aller à la piscine hein, tout simplement. Hop, ici aussi on pourra rajouter des éclairages, c'est vrai que là j'avais oublié. Encore une fois, on prend des chaînes, hein, on va de 1, 2, 3, 4 blocs à l'intérieur de la... sous le préau ici. On laisse une chaîne avec, avec une lanterne et tout ça, et on les espace de 1, 2, 3, 4, 5 blocs à chaque fois, hein, vous avez compris l'idée. Donc on en met ici aussi. Alors, donc ici, dessous ici aussi. Est-ce que j'en ai mis ici? Non. Ok. Alors, au niveau des finitions, on va pouvoir rajouter, vous voyez comme ça sur le côté, sur notre grand mur en diorite. Hop, ici on compte 1, 2 blocs, on met 2 blocs de barrière. 1, 2, 3 blocs à côté, on en met 4. On met 3 blocs de feuilles sur le premier. Et donc 3, 4, 5 blocs de feuilles sur le deuxième, ici comme ça. Pour avoir de la végétation, tout simplement. Et au-dessus de l'entrée principale, donc ça c'est vraiment l'entrée principale de la maison, qui est en face de l'entrée, hein, forcément. On va rajouter un espèce de préau en dalle, ici comme ça, vous voyez. Donc de 5 blocs de dalle sur 4, vous voyez, ça nous fera un préau assez sympa. Est-ce que je vous ai dit, du coup, on met des dalles aussi sur le sur devant de l'entrée, tout simplement, pour faire une marche d'escalier. La même chose ici aussi, hein, devant cette ouverture. Hop, des dalles pour l'escalier. Sur le côté ici de notre grand chemin, on peut rajouter des feuilles de chêne, hop, comme ça, ou des feuilles de n'importe quelle marque d'arbre, hein, peu importe, pour pouvoir donner un petit peu un petit côté plus rempli. Ici, on peut rajouter aussi des éclairages, hein, comme on les avait fait. Sauf que là, on peut mettre deux blocs de chêne parce qu'il y a un petit peu plus de hauteur sous plafond. Donc l'idée, c'est qu'on va partir de notre bloc ici. On va compter 1, 2, 3 blocs, puis un bloc vers l'avant. Deux blocs de chêne et avec la façon classique de faire. On peut en mettre 3 comme ça, espacer de 5 blocs à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bah 4 blocs du coup. Et puis, est-ce que c'est tout? Je pense que c'est tout. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Je ne pense pas. Donc, on est bien. On est pas mal. Sur ce, on a fait une grande, grande maison ici aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le dire vraiment dans les commentaires. Et on se retrouve la prochaine fois, peut-être pour une autre maison. Hein, je vous le rappelle, du coup, j'ai tout un tas d'autres tutos sur la chaîne. Cette maison-là, par exemple. Ou cette maison-ci, comme je vous avais montré au début de la vidéo. Il y en a d'autres qui arrivent. Celle-ci, je pense que je la ferai d'ici quelques temps. Je suis encore en train de la retravailler. Sinon, il y a des tours aussi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent, matelot. Et à la prochaine !